Et c'est passé par un mode d'observation très précis de la vie quand on filme. C'est le Super 8. C'est une occasion pour nous de voir comment on tourne encore en Super 8. Ludovic Fortin a rencontré Gérard Courant. L'idée de départ, c'était de créer une mémoire des gens du milieu des arts et du milieu du spectacle, de conserver une mémoire cinématographique. Et j'ai commencé à filmer tous les gens que je connaissais dans le milieu du cinéma, un petit peu indépendants, tous les gens qui avaient entre 20 et 30 ans, dans les années 70. Et très vite, j'ai commencé à filmer des cinéastes beaucoup plus connus, comme Godard, comme Wim Wenders, et très vite aussi des gens du milieu de l'art en général, des peintres, des écrivains, des gens du cirque, de la chanson. Et voilà, et de fil en aiguille, je me retrouve maintenant avec plus de 1800 cinématons, ce qui en fait un film d'une durée de 120 heures. Le cinématon, c'est un peu la transposition de la photo d'identité en cinéma. Le cinématon, c'est une sorte de cinéma d'identité. Alors, quelquefois, les gens voudraient avoir un cadre beaucoup plus large pour montrer plus de choses, mais je leur dis non. Les règles sont absolument identiques pour tout le monde depuis le premier cinématon. Ça n'a jamais changé, ça a toujours été la même durée, ça a toujours été le même cadrage. Depuis le début, il n'y a pas de son, et depuis le début, les personnes filmées sont libres de faire ce qu'elles veulent devant la caméra. Il y a des gens qui inventent une mise en scène qu'ils ont préparée à l'avance. Mais ce n'est pas les cinématons les plus intéressants. Souvent, les cinématons les plus intéressants sont les gens qui ne font rien. Et c'est là qu'il se passe peut-être les choses les plus intéressantes sur leur visage. Avec le cinéma muet, on est encore dans le rêve. Et moi, quand j'ai commencé à faire les cinématons, je tenais aussi à faire un film muet dès le départ. Parce qu'avec le muet, les gens ne peuvent pas se cacher derrière le masque de la parole. Il y a une sorte de mise à nu, il y a une sorte de striptease mental qui s'opère. Et donc, c'est du cinéma muet et qui est projeté muet. Et les spectateurs, je dirais, quand ils voient ça dans une salle de cinéma, ils font la bande sonore par leur réaction, par leur rire, par leurs commentaires. Si je dis que j'ai un préféré, je vais me faire 1810 et demi. Mais c'est vrai que j'aime bien le bébé Galaxy Barbout, qui, au niveau de la spontanéité, de l'authenticité, a beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que nous, en général, quand on se met quand même devant une caméra, on a quand même, d'une certaine façon, on joue. On essaie de simuler la vie. C'est le jeu le plus authentique qui soit, là. Hein. Oui, on n'a pas demandé de tourner comme ça. Vous êtes dans le cinématon, nous ? Très bon acteur, hein. Non, j'y suis pas. Ça me donne envie d'y être, bien sûr. Et qu'est-ce que vous feriez, là, si vous demandez ? Ça, c'est une punition, ça. C'est 3 minutes 30 comme ça, sans dire un mot. Ah, ben, c'est bien le muet. C'est vrai que tout d'un coup, on se retrouve. Moi, ça ne me dérangerait pas, je crois, de ne pas parler. Mais il n'a pas tort, parce qu'il y a des éthologues. Il peut parler, d'ailleurs. Mais bien sûr. Des éthologues qui étudient comme ça la personnalité. Et surtout de ceux qui font un métier public souvent et qui coupent les mots. Ah oui. Et qui apprennent beaucoup plus en observant sans les mots qu'en écoutant celui ou celle qui parle. Donc on peut apprendre plein de choses, mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Un jour, un auteur, Amélie Nothomb, m'a proposé de faire une émission avec elle. Elle écrit des livres remarquables d'ailleurs. De faire une émission en silence. Et elle m'a dit, ce serait une belle psychanalyse. Je ne sais pas si tenir comme ça une heure... Io vorrei che tu fossi mio, ma il diritto io non ce l'ho. La tua vita ed un altro ormai, questo tuo anello ci divide già.
mai avventuriera e non vivrei felice con te sapendo che per colpa mia avrei fatto tanto male a lei. Era troppo carina e non era per me. Era troppo felice, non era per me. Con il vento d'estate è venuta da me. Se fuggiva la vita o l'amore non so, era troppo felice, tu sai bene chi sei, per amarla una vita, quello giusto non sei, così ora saprò mai se poteva restare una vita con me. È venuto l'autunno e non era per lei, se n'è andata cercando un'estate per lei. Son rimasto da solo ed il vento per me fa cadere le foglie che non servono più. Qui l'estate è lontana col ricordo di lei. Ora tutto è finito, lei non era per me. Se n'è andata col sole e ha lasciato per me solo foglie d'autunno e il ricordo di lei.
ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Tú me quieres.
rispondo il perché, perché due non fa tre. Tu mi chiedi perché è più bello di te, io ti dico il perché, perché due non fa tre. Tu mi chiedi perché con la faccia che ho e con quella che hai tu non andiamo in Perù. Con te partirei, vuoi sapere perché? Perché due non fa tre. Questa è una storia, non è una poesia, ma non fa niente, io la racconterò. Non combini che guai. Tu mi chiedi perché, dopo tanti perché, io non esco con te, te lo dico perché. Perché amo più lui, amo lui più di te, vuoi sapere perché? Perché due non fa tre. Questa è una storia, non è una poesia, ma non fa niente, io la racconterò.
Yeah.
Est-ce que vous avez déjà été cinématonné? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, un cinématon, c'est un petit film de 3 minutes 30. Ah, c'est pas une gonzesse qui n'est pas terrible. Cinématon, c'est une actrice qui n'est pas terrible. Ah, mais non, rien à voir. Non, rien à voir avec un. Oui, d'accord, je vois. Non, rien à voir avec elle. C'est une grosse comédienne, un cinématon. Non, c'est un petit clip. C'est un petit clip de 3 minutes 30, filmé en plan fixe, en muet. Pendant lequel on fait ce qu'on veut à partir du moment où on parle pas. Ah bon ? Notre invité de ce soir, que vous allez découvrir dans un instant, a filmé 1851 personnalités des arts et des spectacles, un petit peu comme vous. Ah oui ? Oui, ça n'a pas encore été votre cas, mais à mon avis, vous sollicitera dès ce soir. C'est un homme qui va donc à la rencontre des gens pour leur faire faire n'importe quoi devant un écran. C'est eux qui décident, histoire de créer des archives pour plus tard ou d'autres motivations. On l'interrogera dans un court instant. Comment s'y prend-il pour réussir à convaincre ces personnalités ? Nous l'avons suivi dans les coulisses du Festival de Deauville le week-end dernier. C'est un reportage de Pierre-Yves Salic et de Philippe Audy. Une vedette seule face à une caméra Super 8 pendant 3 minutes 30, c'est un cinématon, un film muet que réalise Gérard Courant depuis 20 ans. C'est le film le plus long du cinéma, 120 heures de projection avec 1850 vedettes. Bonjour. Ah, bonjour. Gérard est l'heureux inventeur du concept le plus étonnant depuis les films muets des Frères Lumière, le cinématon. Alors voilà, l'intégrale des cinématons, 1840 portraits filmés, 120 heures de film. 19 ans de tournage. Alors, un cinématon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts ou du spectacle, filmé en gros plan, pendant un plan séquence de 3 minutes et demie, en cinéma muet, et la personnalité filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Et souvent, le résultat n'est pas triste. L'actrice Zabou se croit dans un film d'horreur. Jean-Luc Godard se demande bien ce qu'il fiche là. Alain Chabat prend une douche. Bon, Maurice Pialat ne comprend pas qu'il s'agit d'un film muet. Dommage Maurice. Terry Gilliam, le réalisateur de Brazil, se bat contre lui-même. Richard Boringer ne fait rien. Jack Lang non plus. Quant à Noël Godin, l'entarteur belge, il essaie désespérément de faire la cuisine et c'est abominable. Depuis 19 ans, Gérard écume les festivals, comme ici à Deauville, à la recherche de vedettes. Installation dans un 4 étoiles, le QG des stars. Ici, pas de commando paparazzi, tout se joue en douceur. Il faut toujours rester calme et savoir attendre sa proie. Surtout, je suis à fond complètement, j'ai pas de voix. Là justement, c'est du cinéma muet. Oui. Je suis le dernier cinéaste du muet. Non, je vous assure. S'il vous plaît, est-ce que vous auriez un moment pour être filmé, faire un portrait de 3 minutes? Non. Lambert Wilson. Les précédents, mais ils reviennent. Faut pas. Il faut tout sauf les importuner. Oui, important, si tu vois quelqu'un que j'aurais pas reconnu, tout ça, tu me fais signe. Hein. Ah tiens, justement, Gérard, Eli Kaku, c'est un bon client, ça, Kaku. Il a un rendez-vous, attendons qu'il ait fini son rendez-vous. Est-ce que vous avez 3 minutes à nous offrir pour être cinématonné? Après 5 ou 6 refus, voici Vanessa Demouy qui veut bien se prêter au jeu. Et elle va pas être déçue parce qu'un cinématon, finalement... C'est très intime. Et c'est vrai que parfois les acteurs ne jouent plus la comédie, ils sont eux-mêmes tout simplement. C'est cela le cinéma vérité. Véronique Genest, elle aussi improvise, elle se livre entièrement à la caméra. Elle pense à son fils. 3 minutes et demie ? Bah ouais Gérard, hein, c'est long 3 minutes.
je me sens l'air con. Quand on est comédien, on joue quelqu'un d'autre. Et je veux dire, on a vachement plus de mal à jouer soi-même. On ne triche pas seul et sans voix face à l'objectif. Les images, elles, sont sans pitié. Je prends un tel plaisir à faire des cinématons que j'arrive pas à m'arrêter, je continue. Et tant qu'il y aura des gens intéressants à filmer, tant qu'il y aura des artistes passionnants, je continuerai à faire des cinématons. Et là, Gérard Courant. Ça va, Gérard, vous allez bien? Ça va très très bien. Ça faisait quelques années qu'on s'était vu. Oui, on a fait un cinématon en 1988. Oui, j'ai vu ça, oui. J'étais brune à l'époque, hein, d'ailleurs. Comment vous avez un truc pour connaître des mouilles, vous répondre oui ou... C'est son père. Le cinématon, c'est magique. C'est une... Bon, il suffit d'expliquer avec précision que ça va être quelque chose qui va rester dans le temps, qu'on va voir dans les générations futures. Et chaque fois que je le propose à des gens du spectacle, ça les intéresse beaucoup parce qu'ils ont peur que leur image disparaisse. Et là, moi, je leur dis, voilà, dans 50 ans, dans 100 ans, on pourra voir votre image. C'est le sens que vous donnez à votre travail, ça? Absolument, parce que moi, je fais un travail sur le temps. Et moi, je voulais absolument, quand j'ai commencé, garder une mémoire de tous les gens, les artistes, les cinéastes, les acteurs, les peintres, les écrivains, tous ceux qui font l'art d'aujourd'hui, garder une image d'eux pour le futur. Gardien de la mémoire, et sinon plutôt cinéaste ou chasseur d'autographes? Non, je me considère avant tout comme un cinéaste. Cinéaste fou, bien sûr. Oh, je oui, suis bah, avant tout un cinéaste. Comme tout cinéaste. Non, parce que moi, j'ai un besoin de filmer absolument tout le temps. Je ne sais pas, comme certains cinéastes, la plupart qui écrivent un scénario, qui attendent le résultat, qui forment un budget, ils attendent un an, deux ans. Moi, je ne pourrais pas, j'ai besoin de filmer absolument tous les jours. C'est ma passion. C'est une maladie, hein, mais... Oui. Ça, pas l'air trop grave. Mais ça se soigne en filmant. D'accord. Cinématon, c'est quoi? C'est une contraction de cinéma et de photomaton, j'imagine? Non, j'ai dit tout à l'heure ce que c'était. C'est une grosse comédienne. Non, mais c'est un hommage. Je dirais que c'est un hommage au photomaton et un hommage à la photo d'identité. Oui. C'est un peu la transposition de la photo d'identité en cinéma. Vous n'avez pas trouvé un titre un peu plus poétique qui fasse moins consacré au cinéma? J'aurais pu trouver à la place de cinématon, ton cinéma. Ah oui. Puisque la personne fait absolument ce qu'elle veut devant la caméra. Joli. Quelle est la personne que vous rêvez de cinématonner plus encore que Danny Boone? Moi, j'aurais bien voulu cinématonner Marilyn Monroe. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Et pour moi, ça aurait été extraordinaire. 3 minutes de Marilyn devant une caméra en plan fixe et en muet, je pense que ça aurait été absolument très très fort, très très émouvant. Et dans les personnalités toujours vivantes, toujours de ce monde? Sharon Stone, je pense que ça aurait été... Ça donnerait quelque chose de formidable. Vous n'aimez pas les brunes? J'aime aussi les brunes. Hein. Bah, Vanessa Demouy, vous remercie. Dany, vous seriez pour? Jean-Luc? Oui, Tania. Est-ce que je peux poser une question? Excusez-moi, je suis malade. Oui, les très très bobos, la gorge et le nez aujourd'hui, Tania. Non, je voulais savoir, vous n'avez pas du tout envie de le commercialiser? Je ne sais pas, d'en faire quelque chose que vous montreriez à tout le monde? Ah oui, non, mais les cinématons sont montrés. Là. Moi, je pars demain au Canada et on fait une intégrale de l'ensemble des cinématons, 1800 cinématons, 120 heures, qui vont être présentés à partir de demain. Ah, d'accord. On répond à vos questions ici, Tania. Vous voyez, c'est une émission où on répond aux questions de Tania. Ah, pour ça, j'aime bien. C'est important. Je peux poser une question? Je vous en prie, monsieur. J'ai oublié. C'est une émission. Vous en vivez ou... Non, vous en vivez? Non. Vous vivez Oui, bien sûr, je ne vis que du cinéma. Non, mais, sûr, oui. Vous faites quoi? Je ne fais que des cinématons et puis quelques autres films, mais je ne fais que ça. Je n'aurai pas le temps de faire ça à la moitié de mon temps. C'est quelque chose qui me prend toute ma vie, nuit, jour, tout ça. Et qui vous prendra tout le reste de votre vie? J'espère filmer jusqu'à ma mort. Peut-être j'espère faire le dernier cinématon sur mon lit de mort. Vous êtes filmé? Peut-être que ça sera vous qui allez me filmer. Vous êtes filmé? Oui, moi je peux vous faire, si vous voulez. Oui, le jour, j'espère que dans... tard, mais ça sera intéressant. Oui, bien sûr. Avec cette caméra, par exemple. Avec beaucoup de plaisir. Merci Gérard. Merci d'avoir été avec nous. Bon voyage. Vous avez la gorge comme ça, hein? Bah, voilà. D'accord, allez, on range ça. الذي علق الأرض.
C'est un travail sur l'autobiographie, oui, mais je dirais que c'est... ça peut être aussi des films, ce qu'on peut retrouver aussi en littérature, des essais, mais des essais à la première personne. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'il y a tellement de gens qui font des films qui peuvent être tout à fait intéressants, mais qui se cachent. C'est-à-dire que lui, il met le jeu à la première personne. On sait que c'est lui qui traite de tels sujets et il amène son vécu, il le met sur l'écran. Alors qu'il y a beaucoup de cinéastes qui le cachent, ça. Ce qui est ridicule, puisque n'importe comment, quand on fait un film, on est obligé de le faire avec ses tripes. Donc, pourquoi masquer son jeu, quoi. Donc, trouve une bonne position, que tu sois bien à l'aise, là. Alors, simplement... Ah, je vais me mettre plus par là parce qu'on verra les gamins là. Alors, faut pas que tu baisses trop la tête parce qu'avec le chapeau, comme je suis un petit peu haut, hein, parce que normalement je suis toujours un petit peu plus bas pour bien cadrer. Donc. Laisse-moi cadrer avec le chapeau.
Alors attends, je passe les bisous. Je refais la mise au plus, je refais la lumière. On ne bouge pas. 5, 6. Voilà. Tout est prêt au niveau de la technique. On peut commencer quand tu veux pour 3 minutes et 20 secondes en cinéma muet, en une seule prise, en gros plan, et tu fais absolument ce que tu veux. C'est rare ça dans la vie de faire ce qu'on veut. Et bien là c'est possible. On y va ? Non, c'est parti. Ça tourne.
mon âme, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, range tes marlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi on marchait vers on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie môme. Paname, ce soir j'ai envie de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions, des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris, tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la Seine et les noyers, ça fait prendre l'air et ça distrait. Paname, c'est fou ce que tu peux faire poser, mais les gens savent pas qui tu es, ils vivent chez toi mais te voient jamais. Paname, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas y'a Monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, monte avec moi, combien veux-tu? Il y a 2000 ans que t'es dans la rue, des fois que je te refasse une vertu. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme, si tu pleurais, j'aurais tes larmes, si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson, et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, 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 Paname.